It's personal. It's private. And it's no one's business but yours. You may be planning a political campaign, discussing your taxes, or having a secret romance. Or you may be communicating with a political dissident in a repressive country. Whatever it is, you don't want your private email or confidential documents read by anyone else. There's nothing wrong with asserting your privacy. Avril 1991. Au lendemain de la première guerre du Golfe, le Sénat américain travaille sur des propositions de loi antiterroristes et anticriminalité. L'une de ces propositions ? Pouvoir intercepter toute communication. La communauté informatique s'insurge. Philip Zimmerman, un informaticien et cryptographe américain, décide de publier sur Internet, en juin 1991, un outil de chiffrement. Nommé Pretty Good Privacy, ou PGP, ce logiciel libre permet d'envoyer des mails chiffrés, sans possibilité pour un tiers d'en intercepter le contenu. The government has a track record that does not inspire confidence that they will never abuse our civil liberties. They spied on the anti-war movement and the civil rights movement. They wiretapped the phone of Martin Luther King. Nixon had his enemies list. Then there was the Watergate mess. PGP empowers people to take their privacy into their own hands. There has been a growing social need for it. That's why I wrote it. Le fonctionnement du PGP est relativement simple et repose sur le principe de la cryptographie asymétrique. Il se compose d'une clé publique et d'une clé privée. Le mail est chiffré suivant la clé publique que seule la clé privée peut déchiffrer. En 1993, accusé d'avoir transgressé les règles d'exportation de logiciels cryptographiques, Zimmerman est la cible d'une enquête criminelle ouverte par le gouvernement américain. Throughout the 1990s, I figured that if we want to resist this unsettling trend in the government to outlaw cryptography, one measure we can apply is to use cryptography as much as we can now while it's still legal. When use of strong cryptography becomes popular, it's harder for the government to criminalize it. L'enquête est finalement abandonnée en 1996. Aujourd'hui encore, Philip Zimmerman travaille dans la cryptographie. Il s'est installé en Europe en 2015. D'abord en Suisse, pays plus favorable au respect de la vie privée que les États-Unis, puis aux Pays-Bas. Depuis bientôt 30 ans, le PGP est l'un des outils les plus utilisés au monde.